À dire mon nom correctement, il y a du progrès. Il y a du progrès, ouais, il y a du progrès, ouais. Bon, je changerai ça plus tard. Jamais. Ouais. Alors, soit anglais, soit Dutch, soit Picked the Game. Vous préférez quoi? Du progrès, ouais, du progrès, ouais. Bon, on va laisser un anglais, hein. Et voilà, hein. Est-ce que j'ai le droit de... Non, alors... Ok, d'accord. Non mais... Oh putain. S'il te plaît. Voilà. Je sais pas comment ça se passe, parce que bon, le multi doit pas être sorti, parce que le jeu est vraiment tout récent, donc je pense qu'il sera pas sorti. Encore. En tout cas, il est grisé. Pour l'instant, il est grisé, donc je pense qu'on peut pas encore en faire. Le jeu est vraiment tout neuf, hein, il vient de sortir... D'ailleurs, il date de quand? Attendez, hein. Allez. Date de quand? Ah, il est sorti vraiment le 19 mars 2021. Il est vraiment sorti récemment, quoi. Ça fait vraiment pas longtemps. Un peu moins d'un mois qu'il est sorti. Attendez, première difficulté, hein, paramétrer le jeu. Bah c'est sûr qu'en fait moi je suis pas du tout bilingue, donc le jeu est en anglais, hein, faut le savoir. Hein. Il fait un Rubik's Cube trop mignon. C'est pas marqué en haut à droite, de quoi en haut à droite? Non. Conduit des voitures de police pendant qu'un autre tire par la fenêtre. Ça pourrait être fun. Oh, regardez, trop mignon. Oui, il y avait du texte, mais il n'y avait pas de date. C'était juste... ça avait l'air d'être des remerciements ou je sais pas trop quoi. J'aurais aimé faire Sly Cooper en live. Le problème, c'est que mon frère m'a dit que sur émulateur, le jeu est très très buggé. Alors, je le possède sur PS2 et sur PS3, Sly Cooper. Mais je n'ai pas de boîtier de capture pour le... J'ai pas de boîtier de capture pour le stream. Donc j'aurais été obligée de passer par émulateur PC, mais il m'a dit que sur émulateur PC, le jeu est buggé, mais vraiment très 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 buggé. Et qu'il... fait vraiment très fortement chauffer un PC. Vraiment, l'émulateur PC est très mal opti. Du coup, malheureusement, il n'y aura pas de Sly Cooper en live, voilà. Parce que j'ai déjà donné avec Seven Days to Die, hein. Ah, il faut plus longtemps. Très très gourmand. Ouais, apparemment, je savais pas ça. Oh, regardez, ils sont trop mignons. Attendez. Non. Ah d'accord, donc j'ai de la boussole, ok. Indicateur, indicating, also. Bah oui, c'est trop mignon. Talk to the old raccoon. D'accord, il y a un vieux... Ah. Attendez, il se passe des choses. Wow. D'accord, je ne peux pas aller à gauche. Mon raton est de droite. J'ai un raton de droite, au secours. Je ne peux pas aller à gauche, au secours. Non, c'est pas ça.
C'était quoi déjà? Ah oui, c'est là. Donc du coup, là, tiens, on va mettre A. Apply. Je sais pas parler. Oui, en fait, c'est que le jeu n'existe pas en français encore, donc du coup... C'est bon, il peut aller à gauche, ça y est. J'ai réglé le problème. Est-ce que je peux courir? Oh, je peux être Fufu. J'ai pas le droit de courir. Est-ce qu'on peut courir? Oh! Je suis le raton. C'est qui le vieux raton? Ah, il est là-bas. Pas de soucis, Lily. Par contre, si on ne peut pas courir, ça va être... Bonjour. Pourquoi t'as des lunettes? C'est parce que... À partir du moment où t'as des lunettes, c'est que t'es vieux? C'est ça? Oh, attendez. D'accord, c'est un jour spécial. Il est temps de devenir mon successeur. Ok, d'accord. C'est le donneur de quête. Bah ouais, c'est le vieux raton. Écoute, je dois devenir son successeur. Il s'appelle Old Joe. Prends mon sac à dos et trouve l'écureuil qui a besoin d'aide, c'est ça? C'est approximatif, hein, ma traduction est approximative. Hein. Il doit devenir comme moi. Oui, non mais écureuil, j'avais compris, hein. C'était la phrase en fait. Je sais que ce mot veut dire écureuil. C'était pas le... Je doutais pas de ce mot-là. Je doutais de ma traduction globale de la phrase en fait. C'est... voilà, je suis pas du tout bilingue, je suis très nulle en anglais. Du coup, mes traductions vont être très approximatives. Voilà. Il est trop mignon! Regardez... c'est quoi? J'ai un t-shirt en fait. Vous pensez qu'il est plus fort que moi au biscuit ou pas? Ah, d'accord, là. Oh, regardez! Une cape. Il a l'air plus fort que moi déjà. Bonjour. Putain, mais je suis... C'est un bébé? Ou je suis juste très gros? Est-ce que... Bonjour. Comment allez-vous? Es-tu un bébé? Par contre, je peux pas courir? C'est ma vitesse maximum. Bon, allons voir l'écureuil. Bon, ça a pas l'air de bugger pour le moment. Oh, regardez, je viens de voir en bas à droite de l'écran. Alors, en bas à gauche, j'ai l'impression qu'il y a une barre de vie où je sais pas trop ce que c'est censé être. Et en bas à droite, il y a genre, des compétences où je sais pas trop quoi. Bébé. Non, j'ai des... Oui, il a un gros cul, hein. Salut! Je viens de l'utiliser. Ah, ici, hein, je vois... Alors, you are in charge, je ne sais pas comment ça se prend, ça veut dire... Tu es occupé? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Que tu es en mission? Je sais pas trop ce que ça veut dire, je suis désolée. Je suis vraiment très nulle en anglais. Je trouve en tout cas... Un cul, c'est un continent. Ça veut dire que c'est toi le patron. Ok, d'accord. J'ai une tâche pour toi, mais d'abord, prends un champignon. Alors, the stump, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et mange-le. J'imagine que c'est la souche, je sais pas, hein, mais je... Au hasard, je dis que c'est la... J'imagine que c'est la souche. Comment on fait? Ah. Je vais manger un champignon. Ok, donc stump, je pensais que c'était la souche, donc c'est un tronc d'arbre, quoi, ça revient même. Ok. J'ai mangé un champignon. Alors quoi avec ça? Ouais, le problème c'est que mes boutons 1 et tout, ça marche pas avec le... Attends. Settings, impute.
attends. Ah, sprint. Pourquoi je peux pas sprint? Bah ouais, mais justement, pourquoi j'arrive pas à courir? Depuis tard, j'essaie de courir, mais ça marche pas. C'est bizarre. Ok. Ouais, ouais. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que je dois faire avec mon champignon. Comment je fais pour... Ah, je peux zoomer sur ma tête. Ok. Il est mignon, non? Il est trop mignon. On dirait une peluche, par contre. Clic gauche. Ah! D'accord. Ok, merci. Salut Zed, ça va? Je découvre un jeu sur un raton laveur. bravo, maintenant... Maintenant tu es plein. D'accord, merci. peux-tu m'aider à collecter de la nourriture pour tes amis, d'accord? Pour nos amis, pardon. Ah, maintenant je peux sprint maintenant. Oui, je peux sprint, regardez. Je suis plus gros que vous, hein. Voilà. Voilà, en fait, je pouvais pas courir encore pour l'instant parce qu'il me l'avait pas appris. Ah ouais, donc t'es pas obligé de... Cool, t'es pas obligé de rester appuyé dessus. Attendez, tac, hop, hop. J'ai juste appuyé une fois. Ok. Bonjour. Oh, tout le monde. Do you help? Ah, tu... D'accord, ok, oui. Il faut... Alors, il faut que je prenne des pierres pour faire tomber des pommes, c'est ça? Je suis désolée, hein, je suis très nulle en anglais. Mais ça doit être un truc dans le délire, je pense. Ok. Ah oui, d'accord. Ah, oui, il faut que je les jette dessus, carrément. D'accord. Ouais. D'accord, donc en fait, il faut viser les pommes, c'est ça? Ok. Ok, d'accord. C'est ça. D'accord. Bon, pour ça, on est sur le tuto pour l'instant. Hein. Je découvre hein, le jeu. Hein. Il me tente de pouvoir faire chier le monde parce que pour l'instant c'est le tuto. Alors que la taille t'as juste à secouer. Oui, je pense qu'en vrai il y a plus facile quoi. Enfin, il reste une là-haut. Je sais pas si tu dois la prendre aussi. Attends, merde, j'ai plus de pierre. Là. Là. Voilà. C'est bon? J'ai vraiment hâte que le chaos commence. Je peux pas... D'accord. Je ne peux pas attraper. D'accord. Ok. Salut. Ah.
Ah, voilà. Ouh, oula, oui, je me suis bien vidée sur lui, là. En effet, Ok, ouais. Le pigeon... tac. Should have... fly by. C'est quoi un fly by, honey? je crois que sa passion c'est le Rubik's Cube parce qu'il s'arrête toutes les 30 secondes pour en faire. Demande de lui tout ce qu'il faut dans la forêt. Je mets tout ce que tu veux. Mais ça veut rien dire! Si c'est son vol, la phrase veut rien dire. Bah, la phrase voulait rien dire. Parce qu'il a dit qu'il était retourné dans son vol, ça veut rien dire. Il dit return, il a dit. Ça veut rien dire. Mais ça veut rien dire, retour de son vol. Il est de retour de son vol, ça veut rien dire. En gros, le pigeon fait un trajet, il est rentré. Ouais, mais bon, être retour de son vol, je suis désolée, mais ça ne veut rien dire. La forêt est revenue. Ouais, vraiment, l'anglais, c'est une... je ne maîtrise pas. J'ai déjà du mal à parler ma propre langue, alors anglais... c'est un terme en anglais, d'accord. Alors le tour, j'imagine, non? Salut Roulito, ça va? Le son du jeu, vous entendez le son du jeu un peu quand même, non? J'ai à peu près réglé normalement. Oui, je sais sauter, t'inquiète pas. Ah, le pigeon est là. Bah ouais, mais malheureusement. Après, je peux enlever la musique et mettre ma musique à moi, hein. Ça peut se faire, hein. Je pense pas que ce soit un jeu qui nécessite obligatoirement qu'on ait... qu'on ait la musique, en fait. Parce que c'est vrai que la musique est pas terrible, hein. Pour mentir. Distressing. News. Des nouvelles intéressantes, distrayantes, je sais pas. J'ai appris ce matin que c'est un plat, un œuf sur un steak. Dans certains jeux de gestion. Ouais, pareil, c'est pas très. Quelque chose d'étrange est arrivé. Alors, je sais pas, dans la forêt. Je pense, toi et Jack devraient aller voir, j'imagine. Mais même le mot aurait en français, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi, l'orée de la forêt? C'est la limite, c'est quoi? Ok, d'accord, c'est la limite, donc ouais. Je dois informer Jack par rapport aux événements. Vous voulez que j'enlève la musique et que je mette Vous voulez que j'enlève la musique du jeu, que je mette la... que je mette Miracle of Sand à la place? Parce que bon, j'avoue que... D'accord. Je pense qu'on se sentira tous mieux. Pas qu'elle est pas bien, celle-ci, mais bon, un petit peu.
on va pas mentir. Être à cheval, c'est négligeant. Je pense que c'était pas ça leur interrogation. Oh, regardez! Quelqu'un d'aussi gros que moi! Je suis ému. Il est aussi gros que moi, regardez! Tac tac tac. Ouais. Alors je sais pas ce que ça veut dire. Un pigeon a vu quelque chose d'étrange, ouais d'accord. Let's go, on va, ouais d'accord. Oui bon, tu viens avec moi? Ok, cool. J'ai un ami! Regardez, c'est mon ami. Par contre, Jack, que tu vas plus vite que moi. Attends-moi, on dirait qu'il me fuit. tu peux m'attendre s'il te plaît? Reviens. Jack, s'il te plaît. Tu es un peu loin là. S'il te plaît. Reviens. Il pleut. Jack, reviens. Ils veulent casser notre forêt. Ils viennent casser notre forêt. Big cheering, as soon as possible. D'accord, ils sont déjà classifiés comme étant des ennemis. Et Jack, s'il te plaît. Eh oh! Attendez! Attendez. Eh, mais là c'était curé tranquille! Mais attendez, mais c'est quoi ça? Donc tout Jack, ok. Mon être humain de merde. Westaken, away from us. D'accord, donc il va les distraire. Mais non, mais... Les pauvres, ça me fait... Arrête, ça me fait trop de la peine, en vrai. Attendez, est-ce que du coup, j'ai raté des messages? Ça me fait de la peine. Ok, d'accord, donc toi, tu fais distraction. D'accord, ok, ok, ok. Alors, tu m'empêches de passer. Allez, sortez. Oh, salut Joe. ok, ok, oui, d'accord. D'où? Je peux me payer. Je vais te goumer. Ah. Peut-être pas. En fait, j'ai même pas eu le temps de bouger. Merde.
Mais non, mais c'est une flèche tranquillisante, hein. Ça tue pas, une flèche tranquillisante. Ils sont pas dit, tiens, c'est bizarre, c'est un raton laveur avec un sac à dos. Bon, j'ai l'impression qu'il y a vraiment plus de son du tout hein, dans le jeu. You can't move an item. Hein. Présentable. D'accord, ok. Ah oui, d'accord, je dois assommer la police, ok. Attendez. Connard! Niquer ta mère, là. Vas-y. Alors, c'est un peu bizarre cette position, je suis désolée, hein, mais. Je sais pas ce que je lui fais. Ah, je l'ai attaché! Oh, trop bien! Oh! Attendez, il y en a un sur le côté. Arrête de bouger! Merde. Merde. Je suis désolée, je... Connard! Y'en a un qui me voit, y'en a un qui me voit! Putain! Ouais. Pose pas de questions. Salut Vivrou, hein! Oh putain! Ok. Je viens de défoncer des flics. Quoi? D'où je suis? Quoi? J'ai pas compris ce qui s'est passé. Quelqu'un a suivi la situation? J'ai pas compris. J'ai pas compris ce qui s'est passé par contre. Ah, d'accord, c'était un rêve. D'accord, ok. D'accord. Top. Alors, je comprends pas toute la phrase, là. Si jamais quelqu'un peut me traduire cette phrase, s'il vous plaît. Je comprends pas l'objectif. Ça va la musique? Pourquoi? Changer de musique. Voilà. Dépasse l'arrêt de bus. En passant par les buissons. D'accord. Attends, mais je suis toujours dans le rêve là? Oh, regardez, ça vous rappelle pas un jeu, ça? Ah, t'as vu le boule de mon raton? Oh, bénel. Voilà, c'est Metal Gear. And of war, our throats are tired and thirsty and
C'est juste le vent. Fais comme si j'étais pas. C'est le vent. Normal. J'essaie de faire en sorte qu'on me voit pas, mais bon, c'est un peu compliqué parce qu'il y a quand même des gens un peu partout. Cette boîte en carton est là depuis le début. Tout est normal. Tout est normal. Salut. On n'a jamais vu ? Attendez, pubs Netflix. Ta gueule. Merci. Ah, j'imagine que je ne peux pas passer par-dessus. Je dois me sortir de ma cachette, je crois. C'est quoi votre souci avec les ratons laveurs, bande de merde, là, avec les écureuils ? Je suis une poubelle. Sois la poubelle. Respire la poubelle. Vis la poubelle. Allô? Faites quoi? Du bruit, mais bon, il y a un moment. C'est trop triste! C'est trop triste! Je vous jure, ça, je trouve ça vraiment trop triste, quoi. Take the skateboard! Ouais! Attends, il est où? Là! Attendez, il se passe des choses, attendez. Attendez, attendez, je veux le skate. Mais je peux pas, depuis tard j'appuie sur X, ça marche pas. J'ai spammé X depuis tout à l'heure, ça ne marche pas. C'est trop bien, vas-y. Alors par contre c'est le meilleur gameplay du jeu. Ça y est, là, c'est le jeu. Ça y est, elle a fusionné avec les textures. Par contre je suis désolée mais ça y est. On arrive sur le gameplay du jeu. Oh, attendez, attendez, oh, 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 attendez. Ah, j'ai raté, merde. Attendez, je l'ai raté. Tourne, connard. Putain. Attendez. Pas drifter en skate. Là, là. Prends-le. Putain, mais... Ah, j'en ai marre. C'est trop dur. En vrai, c'est trop dur à contrôler, ce truc. C'est...
Le jeu est compliqué à contrôler par contre. C'est pas un raton laveur quand je suis sur le skateboard, c'est un paquebot, hein. Pec. Voilà. Tout ça pour faire ça. Rien du tout. C'est vrai que mon raton est gros quand même. Tu sais. Ok. Allez, vas-y, avance. Attendez, il va se passer des choses, j'imagine. Vraiment, c'est trop triste parce que si tout se passe dans sa tête, si tout était un rêve, c'est trop triste. Moi, je pensais qu'on était vraiment un raton laveur qui... Oh, ouais, t'as essayé de m'écraser, là, je vois, j'ai vu ça, hein. Connard. Tourne, tourne. Mais putain, mais tourne. Oh, mais je vais... Putain. Ta gueule, cul de merde. Tournez en abaisse. Salut. Ah. Salut. Je veux de l'aide peut-être. J'espère que ça se passe bien. Bon. Ah. Oh. Attendez, vous avez entendu. Vous avez entendu. Merde. Je m'attendais pas à ça. Ouais, non mais... Ils aiment bien faire des refs à ce jeu, j'ai l'impression. Hein. Déjà avec le carton. Normalement après tout ça demanderait. Je sais pas, pour l'instant j'ai pas l'impression que ça va être le cas. J'ai l'impression que c'est que... Salut. C'est encore moi. Ah. Bon. Bon, alors. Ça a l'air de bien fonctionner ton truc. Oh attendez, ah mais j'ai pas vu quand je pouvais faire ça. Oh. Ok, 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 ok. Alors ça par contre... Je viens de capter, c'est bon. Par contre... Wow. C'est pas facile à contrôler par contre. Wow. Là. Attends, attends, par contre, je ne peux pas tourner. Attendez. Place-toi correctement. Attends. Attends. Oh mais putain! C'est trop dur de se placer correctement par rapport au truc. Parce qu'on peut pas tourner. Quand on sprint avec le machin, en fait, on peut pas tourner quand on a le machin actif. Donc du coup, faut vraiment être pile en face. Avec la musique, ouais. Ok, ok. Oh, ça me rend trop triste. Pourquoi vous avez fait ça? Ils étaient tranquilles dans leur forêt. Et vous emmerdez pas. Je dois traverser la route. J'ai toujours le truc? Non. Toujours regarder à droite et à gauche avant de traverser. Attends, parce qu'il y a une meuf à côté, quoi. Être un jeu fun, pourquoi vouloir nous faire chialer, là?
Attendez. Attendez. Le meilleur jeu en fait. Oh, attendez. Attendez.
Allez, reviens, on sera gentil. Excusez-moi, je me suis démute, mais bon, le micro a décidé de rester mute, je suis désolée. J'ai appuyé sur le bouton démute, mais le micro a dit « Non, ta gueule, tu te tais. » Donc du coup, comme je vous disais, merci pour les cheers, mais si je vous dis arrêtez de faire des cheers, ne dites pas « Ah, c'est intéressant si le son est pas mute, parce que ça n'a pas l'important et que ça peut très mal passer. » Je préfère vous dire, voilà. Mais merci quand même pour les cheers. Parce que du coup, ça n'a pas l'air assez important, donc... Attendez, je vous lis, après je vous dis. tac, tac, tac... Elle a fait un doigt avec... Attends, non, elle a fait un 2 avec... Le doigt... J'ai rien compris. Salut le Sao, ça va? Oula, mais vous avez vachement discuté pendant ce temps. Mais ouais, par contre, pour le coup, j'étais vraiment sérieuse pour les cheers. Si jamais je vous dis de pas en faire pendant que je suis en appel, parce que j'ai pas mute le son. Donc si elle entend parler derrière, déjà j'ai baissé le son de la musique et tout.
Je trouve ça dommage d'insister, de dire oh, mais ça peut être marrant. Et voilà. Tac. J'entends ça. Hein. Tac, tac, tac. Je préfère prévenir, on sait jamais, parce que bon, Black a instantanément répondu intéressant, donc même s'il a mis un kappa, je préfère être sûr que des gens se disent pas premier degré, ouais, on va s'amuser à le faire. Donc du coup, pour vous expliquer en gros ce que c'était, c'est Pôle emploi qui m'a appelé. Alors c'est pas pour une offre d'emploi ou quoi, mais ils m'ont appelé pour un truc de service civique, en fait, qui durait 8 mois, qui commencerait le 1er mai. Donc, bon, rien de passionnant dans le truc que... rien de passionnant dans le truc qu'elle me propose. Parce qu'en gros, je serai là-bas en assistante pour aider les gens, en mode... pour les aider à faire leur CV, à faire des impressions, des trucs comme ça. Mais c'est 24 heures par semaine, je serai payée 500 €. Donc, je pense que je peux combiner... Je pourrais combiner le stream et ça. Parce que je lui en ai parlé, je lui dis qu'en attendant, bah, le temps de trouver du travail, je lui dis que je faisais un peu... J'ai pas su comment lui expliquer Twitch et tout, mais bon. J'essaie de lui expliquer un petit peu comment ce que je faisais en attendant de trouver du travail, ma façon de gagner un petit peu d'argent. Mais c'est vrai que, bon, si je peux avoir une petite source de revenus en attendant, je pense que je vais le faire. Parce que c'est que 24 heures par semaine. Ce qui veut dire que 24 heures par semaine, c'est rien. Et c'est 500 €, donc c'est toujours ça de prix. Donc je peux toujours faire ça et en même temps trouver du moment pour stream. Donc je pense que je vais pouvoir le faire, je pense que ça peut être intéressant. Le seul problème, c'est que comme j'ai pas le permis, faut que je puisse y aller en bus, c'est assez mal desservi. Mais voilà, en gros, en attendant de trouver du travail, ça peut toujours être quelque chose d'intéressant, je pense. C'est 24 heures par semaine, j'ai fait ça un an, ça laisse du temps. Là, ça serait 8 mois du coup, pendant 8 mois. Je vais faire un truc. Tac. Comme ça m'empêche pas de stream. Et ça me permet de gagner un petit peu d'argent derrière. Voilà, comme ça, moi, je peux combiner les deux. Parce que Twitch me permet de gagner un petit peu d'argent. Bon, c'est pas des sommes de folie non plus, mais ça reste des petites sommes, quoi. Et tu peux y aller... Ouais, en fait, il y a un bus qui y va. Le problème, c'est que je suis obligée de prendre... Alors, c'est un peu compliqué, comment c'est foutu. C'est que je suis obligée de prendre... je suis obligée de prendre un bus. Donc, j'ai un bus à côté qui me permettrait d'aller en ville. Et une fois que je prends ce bus pour aller en ville, il faut que je prenne un autre bus pour aller... pour aller à ce pôle emploi. Le problème, c'est que l'arrêt de bus est loin du pôle emploi. Donc du coup, t'es obligé de te taper tout un trajet à pied, t'as des descentes, des trucs comme ça. Je l'ai fait une fois, c'est un enfer. Mais bon, c'est pas impossible, ça se fait. Ça prend combien de temps de voyage? C'est pas très long, en vrai. Enfin, chez moi, c'est pas très loin. J'ai travaillé 4 jours semaine, mais seulement 9h-16h, tranquille quoi. Mais en vrai, c'est pas très... Faut que je vois les... J'espère juste que les horaires de bus concordent avec le... J'espère que les horaires de bus concordent en fait avec le... Avec les trucs. Avec les horaires du boulot quoi. Sur le coup, j'étais pas trop intéressée par son truc. Mais après, je me suis dit, bon, c'est vrai que quand même, j'ai besoin d'avoir de l'argent en fait. Et pour le coup, là, ce qui compte le plus, c'est que je me fasse un peu d'argent. D'accord. Ah oui, d'accord. Ok, c'est bon, j'ai compris. Je viens de le dire, là... Pardon, excusez-moi.
Je m'attendais pas à ça. Tué, il est mort, il se passe. Ah d'accord, ah merde, attendez, j'ai pas vu qu'il y avait une corde. Attends, je peux pas l'attraper. Attendez, il me dit take the rope, je peux pas take the rope. Je veux que tu take the rope. Attendez, je peux pas. Je peux même pas l'attraper. Attends, attends, vas-y, attends. Oh putain, mais il faut des coups de pied. Oh non. Avec le truc de GTA. Je m'attendais pas à ça, j'étais pas prête à ça. Ah oui, non mais là. Attends. Bon du coup, le salaud, pour répondre à ta question, à ton avis, est-ce qu'il a l'air bien le jeu? Et c'est toujours en ligne, en plus, dans le CV qui montre que tu voulais bosser. Ouais, elle m'a dit qu'apparemment ça fait bien. Elle m'a dit que ça fait bien dans un CV, ça, donc je sais pas, mais bon. J'oublie que ça vient du jeu. Je sens à chaque fois. Je crois que. Putain, mais ils les ont piqués. Oui, ils ont piqué les sons de toutes les licences, hein. Mais putain, attends. Mais putain! Attends! J'ai même pas eu le temps de réagir! Écoutez votre musique, même si... Attendez, j'ai pas le temps. YouTube Music Premium, un mois d'essai offert. Attendez. Attends, mais il me poursuit encore là! Je peux plus jouer en fait, je suis coincée! Mon respawn, c'est un enfer! Non, mais attendez! J'ai le temps de rien faire! Je peux pas jouer! Ah si, c'est bon. Si, c'est bon. Mais là, on va l'entendre 50 fois, le truc. Pendant ce temps, j'ai tué deux êtres humains, tout va bien. Ah, bah attendez.
race you to the top. Behold the distant streets below. Times I hope to last forever, never older grow. They took my peace, they took my name, my family. In a pallid robe and cryptic code, my destiny. Secret sign, shadows in the moonlight, clandestine flashes of a pale white. Climb the highest peaks of history. Crimson sin on swollen throats, I leave my mark. I take their blood, I hear their last confession seep. I'm the shrouded face of reckoning that haunts their sleep. Secret sign, shadows in the moonlight, clandestine flashes of a pale white. Climb the highest peaks of history. So to you. Alors cette fois-ci c'est bon, je suis démute. Alors il y a quelque chose que sa collègue m'a pas dit hein. À un moment donné, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait les gros yeux. À un moment donné, j'étais choquée parce que elle m'a dit un truc que la collègue ne m'a pas dit. C'est-à-dire que il y a une formation pour ça. Genre, on est formé. Le problème c'est que la formation elle est à Toulouse. Donc il faut que j'aille à Toulouse pour ça. Mais, tout frais payé. C'est-à-dire qu'en gros, il m'envoie à Toulouse
Il me paye le train, il me paye l'hôtel, il me paye la bouffe. Tout frais payé. Je n'ai rien à payer. Ça va, c'est pas Toulouse. Attendez. Attendez. Je viens de changer. Je vous lis, hein. Mais ouais, elle m'a dit que c'était jusqu'à de 16 à 25 ans. Le truc, c'est qu'ils connaissent mon âge, donc du coup, s'ils me contactent, c'est que ça, je suis éligible. Alors, du coup, la formation dure une semaine à peu près. Donc du coup, ça fait que je serai pendant une semaine... pendant une semaine, je t'ai vu... T'es sûr que tu vas accepter? Ça va, attends, on va pas se voir, forcément. Donc du coup, ça fait que pendant une semaine, je serai à Toulouse. Il me paye le train pour y aller et pour revenir. Il me paye l'hôtel pour dormir. Il me paye la bouffe. Je sais juste pas comment ça va se passer parce que du coup Toulouse c'est une ville que je connais assez peu au final parce que je suis pas allée souvent. J'y suis allée une fois, j'y suis allée toute seule, ça s'est très mal passé. Donc autant dire que voilà, ça s'est très mal passé, mais comme les gens à Toulouse sont gentils, ça compense. Voilà. Mais voilà. C'est des vacances. Dakia. Mais comment ça, c'est nul Toulouse? À quel moment c'est nul Toulouse? Toulouse, c'est... j'adore cette ville. C'est une bonne ville, Toulouse. À quel moment c'est nul? Ça va, ouais? Je préfère largement Toulouse à Montpellier, hein. Je suis désolée, mais Montpellier, c'est... désolée, hein, mais voilà. Hein. Je préfère de loin Toulouse à Montpellier. Hein. Tac, tac, tac. En vrai, c'est hyper cool. Oui, mais à l'époque, moi, ils proposent un truc... Attendez, ils proposent un truc à 24, mais ils sont tellement mous que le temps de conclure, j'en avais 25. T'avais pas dit que les Toulousains, c'est... Takia... Je connais pas... Salut, c'est Spong, ça va? Mais Toulouse, c'est à côté de chez moi, enfin à côté... Toulouse, c'est... J'ai un peu moins de 2 heures de route, hein, pour aller à Toulouse, hein. Tu dis nul aussi. Non, Montpellier, c'est nul. Toulouse, c'est bien. C'est pas pareil. Tu peux pas dire c'est nul aussi, parce que ça sous-entendrait que Toulouse, c'est nul. Non, Toulouse n'est pas nul. Montpellier, c'est nul. Toulouse, c'est bien. Voilà. Remettons les choses au clair. Ça va, merci. Salut, M. Red, ça va? Un barbecue au soleil. J'adore comment elle ploge. Comment elle ploge? Je ploge. J'aime bien ploger. Et vous? Je sais pas pourquoi ils ont toujours l'air d'attendre le dernier moment à croire qu'ils veulent pas vraiment